Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Très bon réveil les amis, vous écoutez RTL, 5h42, on part donc comme tous les matins du côté de New York, rejoindre notre correspondant aux États-Unis, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Les primaires démocrates vont débuter dans 19 jours et vous avez suivi pour nous cette nuit le tout dernier débat avant que les premiers électeurs ne s'expriment. Ce débat, il s'est achevé il y a quoi, 20 minutes maintenant? Oui, c'est ça, et c'était aussi le tout premier débat depuis l'exécution de Soleimani. Cette crise avec l'Iran change la nature de la campagne, car les électeurs démocrates ne cherchent plus seulement celui ou celle qui pourrait battre le président Trump, mais ça leur rappelle qu'ils doivent surtout choisir un commandant en chef qui devrait protéger l'Amérique contre les menaces. Il y a comme une gravité nouvelle dans la campagne. Et ce qui était assez intéressant en observant les quatre principaux candidats, c'est que chacun d'entre eux a des avantages et des inconvénients. Celui qui a de loin le plus d'expérience de ces questions stratégiques et diplomatiques, c'est évidemment l'ancien vice-président Biden, qui a été aux côtés d'Obama pendant 8 ans, associé aux décisions importantes. Mais il a un énorme problème, et c'était d'ailleurs un problème qu'avait aussi Hillary Clinton, qui a contribué à la faire perdre contre Trump en 2016, contre Obama en 2008. Le problème, c'est que Biden a approuvé comme sénateur l'intervention en Irak en 2003. Il reconnaît que c'était une erreur, mais comment est-ce qu'il peut mettre en avant sa grande expérience quand il a fait le mauvais choix sur la décision de politique étrangère la plus importante des États-Unis depuis des décennies? Et les autres candidats ne l'ont pas voté? Non, Bernie Sanders était déjà au Congrès. Lui n'avait pas voté cette guerre, mais il a voté pour l'intervention en Afghanistan en 2001. Il reconnaît que c'était une erreur, la plus longue guerre de l'histoire américaine. Sanders défend une ligne moins interventionniste, un peu comme le président Trump d'ailleurs en 2016. Une prudence qui est aussi défendue par la sénatrice Elizabeth Warren, autre candidate de la gauche du Parti démocrate. Mais elle a un peu de mal à convaincre sur ces sujets. Elle a un peu de mal à apparaître comme possible commandante en chef. Elle est beaucoup plus à l'aise sur les questions sociales. Vous nous parliez aussi d'un quatrième candidat? Oui, Pete Buttigieg, 38 ans, qui n'a été que maire d'une petite ville. Il n'a pas l'expérience des trois autres, évidemment, à Washington. Mais il a l'expérience du renseignement militaire, car c'est un vétéran de la guerre en Afghanistan. Il s'est engagé pour aller se battre. Et tout à l'heure, quand il a raconté son départ avec un camarade lieutenant, et le petit de celui-ci, un an et demi, qui se demandait où s'éloignait son papa, où allait son papa, le papa qui lui se demandait s'il reverrait un jour son enfant, eh ben on tend l'oreille, hein. Surtout dans un pays où il y a des millions de vétérans, des millions de familles militaires, un pays fatigué, épuisé par 20 ans de guerres interminables. Pour autant, est-ce que ça en fait un commandant en chef à la tête de la plus puissante armée du monde? Buttigieg a peut-être raté ce soir l'opportunité pour percer, pour faire la différence. Bon, une fois que je vous ai dit tout ça, il y a 4 ans, dans la primaire républicaine, dans la même configuration, Donald Trump était celui qui avait le moins d'expérience en politique étrangère et militaire. Il disait des choses parfois stupéfiantes. Ça n'a pas empêché d'être désigné dans la primaire et d'être élu. On a compris que tout était possible chez vous. Donc absolument. On suivra avec attention les prochaines semaines, et notamment le début de ces primaires démocrates. Ce sera dans 19 jours du côté de l'Iowa. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 6h30, Philippe, puisqu'il a plu du kérosène du côté de Los Angeles hier. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Je n'en dis pas plus. Suspense, à tout à l'heure.